m'appelle Yannick Jacquet, et je suis artiste vidéaste et donc je travaille avec Fred Penel qui fait de la gravure sur bois. Et donc ensemble on présente ici le projet qui s'appelle Mécanique Discursive, qui est donc un mélange d'impression de gravure sur bois et de vidéoprojection. Donc on a été invité ici pour faire notre première version de ce projet en extérieur, parce que c'est un projet qu'on a débuté maintenant il y a plus de 4 ans. Et donc on en est à notre 30e expo, mais là c'est la première fois en extérieur et c'est la première fois qu'on fait une installation si grande. Donc, on est assez excités d'être ici et de présenter cette version. Yannick l'a expliqué, donc c'est vraiment une collaboration entre nos deux boulots et nos deux façons de travailler. Alors à la fois, on a des techniques qui sont très opposées, puisque moi, je suis vraiment dans quelque chose qui est fait à la main, qui est très analogique, et Yannick qui est vraiment très numérique. Et en même temps, d'un autre côté, on est vraiment sur le terrain, quoi. Donc en amont, on travaille de façon très différente, et puis une fois sur le terrain, on travaille de façon assez similaire, puisque moi, je viens avec des bonnes quantités de choses imprimées et de la colle, et donc je peux placer ces éléments un peu où je veux sur le mur, dans l'idée de faire une composition, et donc on en discute ensemble et on crée chaque fois une composition sur le moment même, quoi. On n'a pas un plan précis, on improvise assez bien sur le moment même. Et Yannick, lui, de son côté, un peu comme moi, j'ai tout mon vocabulaire avec lequel je viens, mais mes piles de gravures prédécoupées, prêtes à coller, lui, il a dans son ordinateur plusieurs dizaines, voire centaines de petites vidéos qu'il peut lui-même placer exactement où il veut et vraiment ajuster à ce que je viens de coller sur le mur, ou inversement, moi je peux venir coller quelque chose qui s'ajuste à ce que lui a placé en vidéo sur le mur. Donc c'est vraiment un jeu constant comme ça d'aller-retour entre nous, où on discute, on est vraiment dans un moment, pendant quelques jours comme ça, de création d'une fresque, d'une composition. Et donc c'est une partie intéressante du travail pour nous, parce que ça nous permet à la fois de pas nous renouveler, de pas arriver avec un truc tout fait qu'on a juste à installer et puis on repart. Donc on prend aussi le temps, et on a aussi le plaisir de créer en direct et d'être dans quelque chose de créatif sur le moment même, quoi.